Sur ma chaîne, j'ai déjà effectué une vidéo où j'expliquais la stratégie la plus simple mais la plus efficace pour les débutants en options binaires. D'ailleurs, c'est la stratégie que j'ai utilisée à mes débuts. Tu peux retrouver la vidéo juste ici, elle t'amènera à un taux de gain d'environ 75 à 80%. Et j'ai déjà aussi fait des challenges où je partais de 1$ à plusieurs milliers de dollars. Au maximum, c'était environ 50 000$. Tu pourras retrouver la vidéo juste ici. Et là, j'ai eu un éclair de génie. Et si je mixais un petit peu les deux vidéos? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais effectuer ce challenge de 1$ à je ne sais pas combien de dollars en utilisant uniquement cette stratégie qui est destinée aux débutants et aux amateurs. C'est-à-dire que je vais moi-même brider mes connaissances pour du coup simuler le fait que je sois un débutant et que je ne connaisse que cette stratégie. Donc sur les trois dernières vidéos du challenge, j'avais effectué une montée à 4 000$, une autre montée à 6 000$ et une autre montée à 50 000$. Et bien aujourd'hui, on va voir jusqu'où je pourrais monter en utilisant seulement cette stratégie. Et je rappelle que même toi, tu peux la maîtriser. Hey, j'espère que tu vas bien. Maintenant que le contexte est placé, on peut commencer. Sache juste qu'il y aura quelques mots compliqués à comprendre dans cette vidéo, donc j'ai un cadeau pour toi. J'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu as pu prendre ton dictionnaire, on peut commencer. Alors, on est sur Pocket Option, on va être sur les marchés OTC pour avoir le plus gros rendement possible. On commence bien à 1$, du coup on va faire des trades de seulement 1 minute. Donc du coup on va baisser ça ici, mettre 1 minute juste là. Et on va pouvoir aller sur la time frame d'une minute. Et on va tout simplement commencer. Donc pendant que je cherche un marché, je vais un petit peu parler. Donc pour rappel, la stratégie que je vais utiliser, ça sera une stratégie qui se base sur les supports, les résistances, les lignes de tendance et le RSI. Donc vraiment des connaissances basiques en trading. Si tu ne connais pas ces indicateurs, alors je t'invite à les cliquer en haut à droite de la vidéo. Ça t'amènera à un tutoriel pour comprendre la stratégie et ensuite la maîtriser. Et aujourd'hui du coup on va voir un petit peu la mise en pratique de cette stratégie et jusqu'où elle pourrait nous amener. Je rappelle qu'avec mon vrai niveau on était monté jusqu'à 50 000$ avec ce challenge. Donc aujourd'hui je vais brider mes connaissances et seulement utiliser cette stratégie. Juste ici on a un bon petit point d'entrée. Donc on va attendre un petit peu que le marché vienne chercher ce niveau là. Et à ce moment là je mettrai en ordre en baissier. Alors pourquoi je fais ça? Juste là on a une résistance et juste ici on a le RSI qui s'approche des 70. Donc ça nous fait une espèce de résistance à double couche. Et du coup on va profiter de ça pour faire des profits. Donc je vais prendre mon ordre seulement une fois que la bougie aura dépassé ce niveau. On peut voir qu'en 30 secondes on a une autre résistance juste ici. Donc on va essayer de jouer entre les deux résistances pour pouvoir prendre un point d'entrée. On peut voir que la dernière bougie s'est faite refuser à cette résistance là. Donc on va essayer de jouer dans la zone juste ici. Le trading c'est de la patience, donc on va juste bien sagement attendre. En l'occurrence l'analyse est bonne. Peut-être que j'étais un petit peu trop prudent, du coup j'ai peut-être raté une opportunité. Ce n'est pas très grave, il vaut mieux rater une opportunité que de perdre de l'argent. Donc du coup j'aurais pu prendre mon trade juste ici quand ça avait touché la ligne. Ça aurait pas été un mauvais placement, ça aurait juste pas été très très prudent. Ok, juste ici j'ai une belle opportunité. Hop là, je place un trade en plus haut. Alors qu'est-ce qui se passe juste ici? Tout d'abord, on a une ligne de tendance qui est respectée sur la dernière bougie. En plus de ça, on a juste ici, juste là, voilà, une résistance et le RSI qui arrive sur les 50. Ça nous fait une triple couche de support et du coup, ça veut dire que mon point d'entrée était parfait, pile sur le support et que du coup, effectivement, la bougie réagit directement. Et pendant les 20 secondes du trade, je tiens à dire une chose. Là, c'est un challenge, donc je vais all-in dans chaque ordre. Mais toi, si tu trades de ton côté, ne fais surtout pas ça, vraiment. Respecte une stratégie de money management. J'avais parlé de 3 stratégies de money management différentes dans cette vidéo. En choisir une et respecte-la à fond. Il ne reste plus que 3 secondes de trade. 3, 2, 1. Et on est bon, parfait, on est déjà à 1,92$. Ok, on a une très très belle opportunité juste ici. Donc je vais mettre une ligne de résistance juste sur ce niveau là. On a le RSI qui arrive sur les 50. On a cette résistance qui est en accord avec le RSI. Donc ça nous fait une sorte de double couche de protection. Donc on va un petit peu en profiter. Donc on va attendre un petit peu, voilà, que ça vienne monter au-dessus de la résistance. Voilà, parfait, c'est magnifique. Au-dessus, allez, monte un petit peu au-dessus. Vas-y, 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 allez hop là. J'ai pris le trade, j'étais un petit peu impatient, je dois l'avouer. Et mince, j'ai pris un trade de seulement 1$, donc j'ai oublié de monter à 1,92. C'est pas très très grave, hein, on va faire avec. Ok, on est bon, dans 3 secondes le trade sera fini et c'est parfait, on a gagné le trade. Du coup cette fois on va bien monter à 2,77$ et on va chercher notre opportunité. Ok, on a une très très belle opportunité juste ici, donc on va mettre juste là une résistance. On a le RSI qui arrive sur ses 50 et on va un petit peu trader. Voilà, on attend, voilà, paf, parfait, l'ordre est placé et on va voir un petit peu comment la bougie réagit à ça. Alors pourquoi j'ai placé une résistance juste ici? C'est vrai qu'elle est compliquée à voir. On a juste ici un support, juste ici aussi et juste
juste là une résistance, donc ça veut dire que la résistance qui est juste là est toujours valable, effectivement la bougie se fait refuser. En plus de ça, on peut voir la bougie précédente qui effectivement s'est faite refuser elle aussi, et là on peut voir voilà la bougie qui se fait refuser d'une violence, d'une belle violence. Et du coup, en gagnant ce trade, on sera déjà à 5,32$, c'est à dire qu'on aura déjà fait x 5,3 depuis le départ. Donc si on avait mis 1000$, on serait déjà à 5300$, et si on avait mis 100$, on serait déjà à 530$. Donc on peut voir qu'en quelques minutes on peut aller très loin, et voilà, on a gagné le trade, c'est magnifique. Et là on a une autre opportunité qui est très très belle. Donc là je ne vois pas trop de support à l'horizon, donc on va un petit peu chercher. Ok, on a un beau support juste ici, tac tac tac, et on le place juste ici. Donc là on est quand même un petit peu loin par rapport à la ligne des 50, donc on va un petit peu attendre. Ok, le marché est venu du coup chercher ce support là, ça y est, il y est arrivé, donc c'est super. Du coup on a la bougie qui a directement réagi vers le haut, j'ai pas trop eu le temps de prendre un point d'entrée, c'est assez dommage. Certes on a plus le RSI au niveau des 50, par contre on a un bon point de rencontre du coup entre le support et la ligne de tendance, donc du coup on est bon. Du coup voilà, j'ai pris le trade, c'est super, et on va voir un petit peu comment ça évolue. On voit que la bougie est bien bien volatile hein, elle bouge beaucoup, même la dernière bougie a beaucoup bougé, on peut le voir. Donc là le trade se finit dans 6 secondes et on va voir du coup si on a gagné ou pas. 4, 3, 2, 1 et c'est gagné. Du coup, on peut monter à 10,05. C'est magnifique et on passe au prochain trade. Ok, j'ai trouvé un bon marché encore une fois. Du coup, juste là, on a une résistance. Comment je le sais? Tout simplement, ici, on a eu du mal à dépasser ce niveau-là et même la mèche juste ici a eu du mal à le dépasser. En plus de ça, on a le RSI à 50. Je pense que prendre un point d'entrée par rapport à cette résistance ne serait pas très très prudent parce que le RSI ne serait pas encore à 50 mais plutôt à 55. Donc, je vais doubler ce support en mettant juste en dessous. Je sais que des fois j'ai des résistances alors que c'est des supports, mais bon, tu comprends ce que je veux dire hein. Mais en l'occurrence je vois qu'on se rapproche de plus en plus des 50, même si le marché ne descend pas trop trop, donc je pense que prendre un ordre par rapport à ce support là va le faire aussi. Donc maintenant que l'analyse est faite, plus qu'à attendre. Et ok, du coup l'ordre est pris, voilà, pile sur le support, la bougie a réagi directement, magnifique, c'est super beau ce qui se passe, et c'est parti. Voilà, j'ai gagné le trade, on est déjà à 18$, c'est magnifique. Donc on peut voir que la stratégie est vraiment pas mal pour sa simplicité. Ok, juste ici on a une très très belle opportunité, on va attendre que le marché vienne chercher ce niveau là et on va prendre en ordre en baissier. Alors on a le RSI à 70% et du coup on a une belle résistance juste ici en beau top qui définit bien le marché, et du coup on va attendre un petit peu que le marché vienne chercher. Peut-être que je suis un petit peu trop exigeant par rapport au top que je veux, donc je vais tout simplement le déplacer juste ici, et là je pense qu'on est beaucoup plus réaliste et qu'on peut prendre en ordre sans se risquer à grand chose. Donc du coup j'attends un petit peu que la bougie vienne chercher en haut. Ok, la bougie réagit avant, tant pis, elle n'est pas venue chercher le top, donc on va changer de marché. Je vais fermer tous les marchés qui sont à moins de 92, voilà, comme ça on est que avec les meilleurs. Ok, magnifique, on a une très très belle opportunité juste ici, voilà. Je vais attendre que la bougie vienne dépasser ce niveau là, voilà, on attend. On a en plus de ça le RSI à ses 50, donc on est super bien là pour l'instant. Et voilà, paf, l'ordre est pris en plus bas, ça a dépassé la résistance, donc j'ai placé mon ordre. En gagnant ce trade, du coup on sera à 34$, donc ça nous fera déjà en x 34 depuis notre mise initiale. Donc si on avait misé 1000$, on serait déjà à 3400$, et hop là on a gagné le trade, c'est parfait de justesse, mais l'analyse était bonne. Donc même si la bougie a énormément augmenté à un moment donné, on sait qu'elle finira là où elle devra être, donc on n'a pas peur. On est déjà à 34$, donc j'augmente la mise et du coup je vais attendre juste ici sur ce marché. Voilà, plaf, on place en trade en baissier. Alors pourquoi j'ai fait ça, je vais tout de suite m'expliquer. Juste ici on a une résistance et on est venu la dépasser, donc ça nous fait un point d'entrée super prudent. En plus de ça on a le RSI qui est toujours à 50, je le rappelle, et du coup pour que la bougie vienne casser mon point d'entrée et du coup me fasse perdre le trade, il faudra tout d'abord qu'elle casse cette résistance là, puis qu'elle casse cette résistance là, et ça fait beaucoup à casser pour une seule bougie. Donc je pars sur le fait qu'elle va casser cette résistance mais pas cette résistance, donc j'ai passé en ordre juste au-dessus de la résistance suivante. Et donc du coup voilà, on a gagné, c'est parfait. On est déjà à 66,68$ sur ce challenge. Je rappelle que c'est une stratégie qui est destinée aux débutants, mais elle est vraiment super simple pour son efficacité. Et je rappelle aussi que je bride mes compétences. Là si j'avais commencé avec 1000$, je serais déjà à 66 000$. Et si j'avais commencé avec seulement 100$, je serais déjà à 6600$. C'est juste énorme. Ici on a quelque chose de très très intéressant. Je vais attendre un petit peu que ça vienne descendre encore sur le marché. On a le RSI qui se rapproche des 50. On a juste ici une résistance qui est très intéressante et on a juste ici une ligne de tendance qui est bien respectée. Donc du coup on va voir un petit peu comment cette bougie là réagit, et si cette bougie là se fait refuser à ce support là, je prendrai en ordre en haussier. Ok, malheureusement la bougie a fui, elle n'est pas venue chercher en bas, donc on va un petit peu changer de marché encore une fois. Ok, on a quelque chose de très intéressant sur ce marché. On peut voir qu'on a une belle puissance vendeuse, mais forcément on va avoir des pullbacks haussiers quelques temps, donc on va jouer sur ces pullbacks là. Je vais attendre que cette bougie là vienne, voilà, ici, juste ici, voilà. J'ai un petit peu raté le point d'entrée, je dois l'avouer. Je voulais prendre mon point d'entrée sous ce support là. On peut voir du coup que le RSI arrive sur ses 30 et qu'on a un support juste ici. 5, 4, 3, 2,
1 et le marché est venu en ma faveur. Super, c'est magnifique. Du coup, on est déjà à 128$. On a fait x128 en 2 secondes. Et c'est magnifique. Du coup, on va un petit peu chercher un autre marché. Juste ici, on a quelque chose de très intéressant. On a sur le RSI, on arrive sur les 70. Et du coup, on va voir un petit peu où est-ce qu'il y a une prochaine résistance. Et elle est juste ici. Donc du coup, on va attendre que cette bougie-là vienne toucher cette résistance, voire même la prochaine bougie. Et du coup, je vais prendre en trade en baissier dès que ça vient la toucher. Ok, super. J'ai pris mon ordre vraiment tôt, mais ce n'est pas très très grave, voilà, parce que si l'analyse est bonne, du coup l'ordre sera bon aussi, même si le point d'entrée n'est pas optimal. Et du coup, pendant ces 40 secondes, j'ai un cadeau pour toi. Le trading, c'est difficile, c'est prise de tête, je dois l'admettre. Même si tu comprends la théorie, en général tu peux perdre en pratique pendant très longtemps. Donc mon cadeau, c'est de t'inviter tout simplement à copier mes trades totalement gratuitement. Ça ne nécessite aucune connaissance. En plus de ça, tu as des guides totalement gratuits que je te donnerai. Tout se passe sur mon canal Telegram et tout est totalement gratuit. Et bien sûr, mes connaissances ne seront pas bridées pendant les séances de trading qu'on fera ensemble où tu me copieras. Je serai à 100%, donc encore meilleur aujourd'hui. Et hop là, du coup le trade est gagné, c'est super. On est déjà à 245$, donc je vais directement monter la mise. Dans le groupe VIP, il y a déjà plus de 200 membres et on a déjà réalisé plus de 800 000$ de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que plus de 800 000$ ont été générés grâce à la copie de mes trades. Donc je dois avouer que c'est ma petite fierté. Pour me rejoindre, c'est super simple. Clique sur le lien Telegram dans la description, ça t'amènera une conversation privée avec moi. Tu m'écris je veux faire équipe et tu seras le bienvenu pour copier mes trades totalement gratuitement. À ce moment-là, je t'enverrai une procédure pour rejoindre le groupe VIP où dedans tu pourras copier tous mes signaux gratuitement. La procédure est super courte, il te suffit simplement de t'inscrire à Pocket Option via mon lien affilié et de faire ton dépôt sur ton compte parce que tu ne peux pas trader sans investissement, forcément. Le dépôt minimum est de 50$ et il n'y a pas de dépôt maximum. Mais attention, même si c'est gratuit, les places sont limitées. Il reste encore une dizaine de places disponibles pour le mois d'avril, donc je te conseille vraiment de te dépêcher. Donc je t'attends sur Telegram. Maintenant que tu peux copier mes trades totalement gratuitement, on peut continuer. Donc je vais chercher un autre trade à prendre. Ok, juste ici, on a une belle opportunité qui s'offre à nous, donc du coup, on voit le RSI qui est sur sa barre des 50 et on voit le marché qui arrive et qui galère un petit peu à dépasser ce niveau-là. Là, pour le coup, on ne voit pas vraiment de support à l'horizon, mais du coup, si on va en 3 minutes, hop, là, on a quelque chose de très très beau juste ici. On va retourner en 1 minute et effectivement, du coup, on va jouer avec ce support-là. Donc, je vais attendre un petit peu que le marché vienne le toucher et là, paf, voilà, l'ordre est pris. En plus, on vient de miser 245$ en haussier et je rappelle qu'on a commencé avec seulement 1$, c'est ça qui est fou. Donc, j'attends un petit peu, on voit que la bougie galère un petit peu à casser ce niveau, elle est déjà allée en dessous, mais elle est remontée immédiatement. Là voilà, encore une fois, il vient de se repasser la même chose. Donc on peut voir du coup que la bougie se fait bien refuser jusqu'à maintenant. Il reste 30 secondes au trade, on va voir comment ça évolue. Allez, super, le trade est gagné, il reste que 5 secondes au trade. On peut voir que ça a bien réagi. Donc je suis maintenant à 471$. Donc je monte immédiatement la mise. Et du coup, on a déjà fait en x471. Si on avait commencé avec 1000$, on serait déjà à 471 000$. Et si on avait commencé avec 100$, on serait déjà à 47 100$. Et encore une fois, je me répète. Je rappelle que j'utilise seulement une stratégie que j'ai donné dans une précédente vidéo. Ok, on a une très très belle opportunité juste ici. Du coup, voilà, parfait, je vais prendre un ordre en haut qui est juste ici. Alors pourquoi je fais ça? On a le RSI qui est à 50% juste là. Et en plus de ça, on arrive du coup sur un support qui est à peu près là, voilà. Et du coup, ça nous montre du coup une puissance haussière qui va arriver. Et le trade est gagné. Du coup, j'avais un petit doute parce que ça s'est clôturé à peu près au même niveau. Mais ensuite, on a eu un petit gap entre la clôture de la bougie et l'ouverture de la nouvelle bougie. Du coup, effectivement, le marché est arrivé au bon niveau au moment où ça s'est clôturé. Donc, j'ai gagné. C'est super, c'est magnifique. Donc, je vais tout de suite monter la mise à 906$. Et du coup, effectivement, vu que l'analyse était bonne, ça veut dire que l'analyse est toujours bonne. Donc, si la bougie revient dans le rouge, je vais reprendre un trade juste ici. Ok, juste ici, parfait. J'ai pris mon ordre. Il est très très bien placé, je trouve. Donc, du coup, il reste 15 secondes au trade. Si je le gagne, je serai à environ 1800$ et ça fera très très plaisir. Sachant que je suis parti avec seulement 1$, donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Tac, 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde et on a gagné le trade. C'est magnifique, on est déjà à 1739$. Du coup, Pocket Option limite les trades à 1000$. On a en compte de moins de 15 000$. Du coup, on va faire des trades de 1000$. Ok, super. Juste là, on a une très belle opportunité encore une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe juste ici? Voilà, paf, je mets tout l'argent directement. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe juste ici? On a le RSI qui arrive sur les 50, qui l'a même légèrement dépassé, du coup, vu que la bougie était assez grosse. Et juste ici du coup on a une résistance qui est juste là. Du coup j'ai pris mon trade à peu près dessus. Mais le deuxième trade j'ai pas pu le prendre pile au bon moment. Malheureusement la bougie du coup elle commence un petit peu à casser. Donc est-ce que ça va être le trade perdant qu'on attendait dans le challenge? Ou est-ce que ça va remonter au dernier moment et du coup je vais gagner? Qu'est-ce qu'il va se passer? On va bien voir. 3, 2, 1 et on a perdu je pense. Voilà, on a perdu, du coup on est à 0$. Mais on était quand même monté à 1739$. Et c'est juste énorme. Donc voilà, le challenge a été respecté. Je n'ai pas utilisé de compétences extérieures à la stratégie que
que j'ai donné. Donc ça veut dire que ce que je viens de faire, c'est accessible à n'importe qui. Bien sûr, il lui faudra un petit peu de pratique et ça demande beaucoup de travail. Et c'est pour ça que je t'invite à copier mes trades totalement gratuitement, parce que du coup, ça te permettra de faire ce genre de profit sans travailler, tout simplement en copiant mes trades. Mais je te rappelle que les places sont limitées, donc dépêche-toi pour avoir la tienne. Pour me rejoindre, je le rappelle, c'est très simple. Clique sur le lien Telegram dans la description. Ça t'amènera une conversation privée avec moi. Tu m'écris "je veux faire équipe" et tu seras le bienvenu pour copier mes trades totalement gratuitement. À ce moment-là, je t'enverrai une procédure. Il te suffira seulement de t'inscrire via mon lien affilié à Pocket Option et de faire ton dépôt sur ton compte pour pouvoir trader. Le dépôt minimum est de 50$ et il n'y a pas de dépôt maximum. Donc je t'attends sur le groupe Telegram, tu es le bienvenu. Donc voilà, la vidéo est terminée et le challenge a été respecté. J'ai réussi à me brider pour me baser seulement sur la stratégie que j'ai donnée. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et de la stratégie. Like et abonne-toi pour me soutenir moi et mon travail, ça me ferait vraiment plaisir. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.